Signe de mort-vivant. C'est très cool, mais il faut trouver le taverne 4 ou le 5. Mais déjà, le 4, c'est pas mal. La game mort-vivant, si une mort-vivant, elle manquait celle-là. Bah, il en faut au moins une par jour. Hein. On remarque que je la joue pas une fois par jour, mais... Moi, j'aime bien l'archétype mort-vivant. Bah, si de mort-vivant, je trouve que c'est sympa. Après, la difficulté, c'est de tempo, quoi. D'arriver à tenir jusqu'à la taverne 4-5. Mais bon, mais c'est vrai que c'est sympa. C'est lui qu'on veut. Bon après, là l'idée c'est qu'on va mettre tout sur le même, à part si je trouve une liche maintenant. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Parce que l'idée c'est de faire... Ça. Ça, je le joue pas. Parce qu'au prochain tour, j'ai 3 plus 1 plus 1. Vous voyez ? La difficulté, c'est de ne pas s'endormir. On va dire que si tu t'endors, c'est que t'es déjà bien. Si à un moment, tu t'endors dans la game, c'est qu'a priori, t'as plein de triggers qui se mettent en place et que je pense que t'es plutôt pas mal. C'est que t'as trouvé ton catacombe, ton Titus. Je pense que ça va. Bon là le truc c'est de... Le problème c'est qu'il n'y a pas bête, donc il n'y a pas le hara. Le hara c'est un vrai plus, mais bon. Prochain tour on peut up à 6. Et pouvoir. À moins vraiment d'arriver à un... En fait... Là c'est un peu comme une Rafam Curve quoi, c'est-à-dire qu'on va s'adapter. S'il n'y a pas deux bonnes cartes à acheter on up, s'il y a deux bonnes cartes à acheter on les achète et on fait pouvoir. Le but c'est d'arriver à trouver un chemin le plus efficace possible dans la, vers la taverne 4 et ensuite vers la taverne 5. Mais il y a autant de chemins qu'il y aura de cartes proposées. Laissez-vous aller. Oh, c'est chiant ça. Ouais, c'est chiant parce que ça tape avant le... avant que l'oiseau s'active. Bon, taunt et taunt, je considère pas que ce sont des bonnes cartes. Donc je up. La pupille, elle peut être rigolote, non? La pupille avec les rip-hop. Il y a quoi en taverne 3 qui... Bon, il y a la pupille qui marche avec les rip-hop, c'est un peu tout. Faerix, oui, Faerix aussi. Ah, c'est poussif, hein. Après, il y a un monde où, genre, là, on prend pas trop de dégâts, et prochain tour, on re-up, vous voyez, 7, et grâce à la pièce, hop, et après, on joue en 4. Là, il en a 3 sur sa tête. Enfin, 4. L'or est à vous. N'allez pas le dépenser en une seule fois. Ah bon, on va même pas passer ce gars-là. Ah, si, quand même, peut-être. Ah non ! Triple !
Ça marche pas. Oh non, pas les 1-4. Oh non, on a même pas passé la créa. Oh, pas des 1-4, les gars. Les gars. The guys. Sérieux. Bah 8, ça fait trop mal, là. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Il a pas envie de re-up, lui? Ah non, mais il est à up maintenant. Hop là. Il a trouvé son pacte spirituel. De ouais, toute façon, il faut vite aller chercher le taverne 4 là maintenant. Le bibelot, il va dire « Mais t'as rien sur le board, je te donne quoi, moi ?» Ah, le moins 8, il fait mal, là. C'est pas censé prendre moins 8, quand même. Il avait 4 créas sur le board, j'avais tué 0. Non, 3 créas sur le board. C'est un drôle de board, quand même. Hein. On se le dise. Ouais, on peut passer, hein. Oh, waouh, là, c'est des là, c'est des cartes incroyables. Là, on a des trucs exceptionnels, là, dis donc. Top. Ça fait plaisir. Oh, waouh, je l'ai vu. Ok. Ça permet d'aller chercher les cartes. On s'en fout de ça. Hein. Y a pas de combo. Hein. Non, bah non. Ah, ça fait de la thune en vrai. En fait, ça fait de la thune, mais ça peut mourir direct, quoi. On a le droit de l'ignorer, hein. Ça fait pas tant de thunes, ça en fait un. Ouais, non, je crois qu'on va l'ignorer. Non, je crois que je vais... De toute façon, le pouvoir, je vais tout le temps le faire dans une 4 pour aller chercher une 5. La question, c'est est-ce qu'on a envie de taunter lui? Pas maintenant. Je veux vraiment récupérer un autre comme ça. Il y a un monde où, en fonction, je peux up au prochain tour. Il est bien protégé. C'est le plus important. Ok. Ça me va. Ouais, vous voyez, avec sa 9-9, il peut pas aller le chercher. Ça nous permet de gagner le combat, je pense. Ouais, là, c'est bon, là. Je crois que je vais re-up derrière. Je continuerai à faire mon pouvoir dans les 4. Mais au moins, je serai dans la 5 pour accéder aux 5. Lui, c'est le roi. Hein. Lui, tu l'as pas. C'est comme quand tu joues automate, t'as pas Kangor, t'as la fin du monde. Hein. Oh, waouh! Chercher des noises de sitôt. On veut un truc comme ça? On s'en fout de ça, non? Ça protège Abo, mais les Abos, de toute façon, ils vont être protégés par le taunt de ce gars.
Ça, ça donne un cri de guerre, mais je crois que les cris de guerre ne nous intéressent pas. Hein. Ah, si. Si, si, si. J'ai un truc. Je tente lui. Si, si, il y a un truc. C'est... si je trouve le... Je vais pas le geler lui, mais si je trouve la 3-3 qui mange un mort-vivant, je mange lui et ça me fait un triple. Vous avez réussi. Faut juste l'avoir tôt, mais... Bah bah bah. Oh c'est pas mal, on a des bons rip-hop là en plus. Ça, ça grossit un peu. Bon après il a un, c'est un board de... Ouais il a un bon board. En fait il a des bonnes créas de tempo quoi. Mais on a eu des bons hip-hop. Ah ça c'est chiant pardon. Ah zut. T'es pas si loin hein. C'est cher, hein. Mais c'est fort, hein. Est-ce que c'est pas un peu trop cher? Non, mais c'est pas un peu trop fort. Si, c'est un peu... Faut rien vendre, de toute façon, ça va être ça. Ou alors la 5-1. Non, là, parce que ça, ça va donner des cartes. Mais je crois qu'en vrai, je vais même taunter lui. Est-ce que je taunte l'artiste? Parce que... Est-ce qu'on veut pas... Non, c'est comme ça, hein, je pense. Non, non, mais... C'est dur, hein. C'est dur, dur, dur. Bah, on a beaucoup, on a récupéré beaucoup. En fait, il n'y a aucune 5 qui nous a intéressé. C'est quand même assez triste. Hein. Même si on n'en joue que 2. Mais quand même. Ok. On pourrait ne pas prendre 15, non? Entre 9 et 15. On pourrait. Ah, ça c'est un beau hit. Bon. Ah, on est pas loin, mais au moins on prend pas. On reste au-dessus des 15, c'est le principal. On est pas loin quand même, deux fois. Ah hein. Oh là là. J'ai déjà vu pire. Invoque une copie de votre serviteur le plus à gauche. Oh, mais attends, c'est pété ça, non? Oh, le Karazhan s'est pété, non? Ouais. Ouais, ça rate, ça rate, ça rate, hein. Et là on fait quoi? On blinde le board?
Bah non. Est-ce qu'on roll un... C'est une impasse. C'est une impasse. Non mais je veux juste faire ça en fait. Ça, ça va devenir n'importe quoi. Hein. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. Là, ça va commencer à jouer aux jeux vidéo là. Là c'est là où il faut un petit café quoi. Manger un petit cookie, boire un petit café. Ou une eau glacée quoi, parce que là tu peux vite pioncer hein. Surtout que là qu'il fait nuit, il est 16h39, il fait déjà nuit là chez moi. Là je peux pioncer, je me réveille demain matin quoi. Ah non. Ouais, le Karazhan, là, il est incroyable, hein, en Sneed. C'est vraiment de la belle magie, hein. Et puis, à chaque tour, on l'a fait, hein. Même tour 1. Donc là, il en a vraiment beaucoup sur sa tronchasse, hein. Sur sa tronchetasse, hein. Lui, il était fort, en plus, hein. C'est beau de le battre, hein, parce que lui, c'est le genre de gars, il te met 15, hein. Bah, il nous mettra pas 15, en fait. Il y en a combien sur sa tête? 9, vous imaginez? Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. On l'achète lui, évidemment. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Offrons un moment exceptionnel. J'ai tenté. Hey, y a rien. Allez, les manes là. Oh. Est-ce que tu cherches Baron? Arrête, arrête! Tu remues le cul trop dans la plaie! Ça fait pas de faire ça! Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas! Le gars il me veut du mal et tout quoi. Ça compote bien. Bah après lui aussi qu'on peut bien. C'est quoi ces gemmes? 9-7, c'est pas mal hein. Oh, ça peut être pas mal ça. On arrête de taper à gauche les gars. Bah toi tu t'en fous, on s'en fout de toi. Ouais ça c'est bien ça. Non, on tape pas là-bas. Hein. Attention! J'ai dit attention. Non! Ouais, ah, c'est bien ça. Non! Voilà! Voilà! Ouais! Par contre, il se fait plaisir, ce con. Qui a tremblé ici? Qui?
À part Gamelin, personne n'a tremblé. Voilà un partenaire. Je pense ça parce que je suis une trompette. Il y en a combien sur sa tronchasse? 11. What the fuck? C'est énorme! En fait, c'est une, moi, j'appelle ça la compo catacombe. Mais à un moment, il faut être lucide. Ça fait 4 fois que je la fais. Non, 3 fois. Enfin, sur les 3 dernières fois, j'ai jamais eu catacombe. Donc en fait, je crois qu'il faut arrêter d'appeler ça la compo catacombe. Je crois qu'il faut appeler vraiment ça la compo abomination. Hein. Parce que Catacombe, tu l'as jamais. Hein. En fait, il se cache. Il a peur, en fait. Je crois qu'ils ont avec Abomination, il y a un truc qui s'est passé entre eux. Ils veulent plus être dans la même pièce. C'est dommage, en vrai. Parce qu'ils formaient une belle équipe à l'époque. C'est Torque et Marmotte, en fait, Abomination. C'est vrai. À deux, ils sont trop forts, mais ils veulent pas être ensemble, quoi. Merci Nils du 30. Merci pour le Prime. Merci à toi, c'est super gentil, merci d'exister. Quelle merveille, quelle merveille. C'est une danse, hein. C'est une danse de mort-vivant là. Quelle merveille là. Bah, 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 bah. Ça monte, ça monte, ça monte. Les énormes tons, le petit grim à langue de serpent qui est là, comme ça. Par ici l'argent. Rends l'argent. Ouh, c'est chaud. Il est fac lui hein. Deuxième merde. Comment c'est possible de nous perdre ici? Ah bah c'est possible hein. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Qui rapporte. Douze réplications sur sa tronchasse. Sur sa vieille tronchasse. Ah, c'est incroyable. Hein. La compo catacombe sans catacombe. Quelle merveille. Bon après-midi Thomas, merci d'être passé. On devrait être à 30 avec les 5 de Monsieur Ominos et le sub de Joe la Crapule. Joe la Crapule, je l'ai pas vu ce petit loup. Joe la Crapule. Ah ouais, Joe la Crapule. Je t'ai remercié ou pas? Non, parce que Joe la Crapule, je me serais souvenu d'avoir dit ça.
Joe la crapule. Merci Joe la crapule. On est à 25. Et tu dis avec les 5 de Monsieur Ominos, je les ai pas comptés les 5? Après cette game, je refais un calcul. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Et là... Et encore, il y a qu'un Titus. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a qu'un Titus. Un Titus. Bon, après, les abos sont dorés, mais... Vous voyez, c'est une compo qu'on peut... Si vraiment on a beaucoup beaucoup de chance, on peut faire des choses incroyables. T'arrives à rapidement avoir un Titus doré, abo Titus doré, abomination dorée, machin. Le type il t'arrange là? Non, je pense que ça change rien. Non, ça m'arrange pas spécialement. Ça n'a aucun impact. Peut-être en termes de temps il m'arrange, non? Parce qu'il y aura une attaque de moins, il y aura des attaques de moins. Tu fais créer par 3 abominations grâce au cri de guerre du mort-vivant? Non. Non, parce que si tu manges ça, tu les récupères tout petit. Tu détruis un mort-vivant, t'obtiens une copie. Donc si je le détruis, il se réincarne en petit et il reste en petit. Donc je veux... Non, non. Je veux pas des petites cartes. C'est tout à l'heure. Quand si je l'avais eu plus tôt, je l'aurais triplé comme cela. Tu vois? Et lui, il a fait le taf, hein, parce qu'il m'a donné au moins 10 pièces, peut-être, dans la partie. C'est important. Hein. La copie est non dorée, en plus, oui, de surcroît. Mais oui, c'est une copie, c'est pas une copie... C'est pas une identique copie, tu vois. Bizarre de dire ça, mais... Allez, final! Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Sur le terrain. Des gemmes de sang, quelles gemmes de sang. Mais vous voyez, par exemple, si j'avais eu catacombe, j'aurais pu faire catacombe, je greffe prothèse, je mange catacombe et j'en ai deux. Vous voyez, bon là, a priori, j'en ai pas. Je pense que c'est trop tard pour labo. Hein. Ça grossit vite, hein, ces trucs-là. Hein. Oh, ça grossit vite ces machins-là. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Faut le tuer ce gars. Donc ça va être ça. Ça. Ouais. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Merci Tintin Invisible. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Un abonnement de niveau 1 pour 6 mois d'avance. Merci à toi. C'est très précieux. Merci beaucoup. Je te mets dans le sub goal. Caméléon, ce serait pas incroyable sur ce setup? Caméléon, ouais, bien sûr, mais c'est une bête. Après, il faut qu'il y ait bête. Mais quand il y a bête, tu peux mettre Ara, Caméléon. Bien sûr, Caméléon. Après, t'as pas tant de ripop que ça, hein. Caméléon, c'est une vengeance 4, je crois, ou 5. En fait, le truc, c'est que... Ouais, peut-être que c'est difficile à caler quand même, Caméléon. Ah, c'est peut-être... Ah, ou alors faut taunter les abominations, mais c'est un peu bizarre. C'est magnifique quand même. J'avoue que le Fire X il est vraiment sympa ici.
C'est pas une compo Ripop que t'as, non, exactement. C'est lent là, non? 1000, mais il passe pas les 1000, le gars, tu vois. En vrai, ça monte, hein. Faut voir si ça monte suffisamment, quoi. Allez, allez. Ouais, faut taper un peu à droite, si possible. Bah, pas un peu, carrément. Pas un peu. Ah non, hein, il va s'en sortir. Hein. Il va pas gagner, mais... Bon après moi j'ai un scaling, est-ce qu'il est... mon scaling n'est pas supérieur au sien. Bon là il va me rester 16 secondes pour jouer. Non en vrai je pense qu'il me reste 38, 38, 40, 67, large. Mais je suis large en fait. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Ouh, la merguez. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Est-ce que je veux le réinvoquer? Ça permet de rentrer plus de dégâts de les réinvoquer. De toute façon, là, après, je peux avoir Titus Doré quand même. Non. Vous avez la pioche facile, dites-moi. La question, c'est peut-il me contrer? Je ne crois pas. Non plus. Tiens, bouffe. On est quelque chose, dans quelque chose de, d'extrêmement stupide là. Vous avez réussi. La ville est en sécurité. Il peut pas me contrer en fait. C'est incontrable, hein. Bah si, après tu chopes, tu casses les Vaifandres, mais bon. Bah là, ça va être n'importe quoi, là. Non, mais là, j'ai pas la place de rentrer quelque chose d'autre. Ou alors, un Leroy ou une connerie, mais à la place de lui. Mais lui, il va vraiment grossir. Hein. Oh là 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 là. Comment le gars peut gagner, en vrai? En tout cas, son Titus Fur, c'est une très bonne idée. Là, pour le coup, faut reconnaître que c'est assez malin. Et encore, là, il n'y a que le setup que d'eux. Vous imaginez si on rajoute à eux le setup des catacombes? C'est infinissable, en fait. C'est 2 minutes par trigger. Ouais, la petite abo, elle va être, elle va faire de la value, hein, la petite abo. Elle tue une créa. Hein. Ah, quoique. Ouais, si, quand même. Ça me fait penser à Grenouille. Ouais, à Grenouille, il y avait des gros counters. Hein. Grenouille, ça nécessitait beaucoup de... En fait, là, il y a que deux procs. T'as le proc du premier dragon, le proc du deuxième dragon avec Karazhan. Mais... Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de counter. Quand bien même il jouerait Blanche-Tête et il chope un Titus, j'attaque first, hop, il attaque dans le truc. Enfin, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que le scaling, il est déjà là. Donc, dans le pire des cas, il tue mes Titus. Moi, j'ai quand même des énormes créas sur le board. Et finalement, lui, il a été obligé de rentrer des cartes tech. Donc, ça veut dire qu'il a moins de board. Donc, il affaiblit son board pour rentrer de la tech. Mais vu que moi, j'ai déjà des créas, tu vois. C'est ça ce qui est intéressant dans le scaling. C'est que ce que t'as, tu le gardes. Alors que Grenouille. C'est comme bête Goldrin, début du combat t'as rien. Donc si le gars il chope tout de suite tes cartes clés, bah en fait ton board il restera petit. Tu vois l'idée?
Donc c'est meilleur que Grenouille pour moi, ça c'est beaucoup plus safe. Grenouille d'ailleurs n'était pas une très bonne compo. Ils l'ont nerfé parce que c'était frustrant et je pense qu'à bas niveau, ça avait un gros win height parce que les gens ne savaient pas contrer Grenouille. Mais sinon, Grenouille était une compo assez moyenne en fait. Hein. Il a vraiment des créatures monstrueuses quand même. C'est impressionnant. Hein. Ah, il s'en sort, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah, le 9% là, il est pas sympa. Hein. J'en ai connu des 9% dans ma vie, mais là il est désagréable. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Ah, mais c'est trop tard pour Kata. C'est trop tard pour Kata à Particus doré. Il a doré son Titus, je sais pas si ça a du sens. Oh non, man, tu viens de chatter. Tu copies pas une abo? Je suis pas certain. Je sais pas si ça a du sens. Que copier Inabo, ouais. Ah, j'ai quand même joué beaucoup de pourcentage. Hein. Bon, là, je pense qu'on va perdre, donc on déco. Et on reco. À moins qu'on soit mort. Mais là, on a vraiment. Malheureusement, on a vraiment eu 16 secondes pour jouer, ce qui est quand même problématique. Ah, pas cool, là. Non, je prends trop de stats en faisant ce play-là. En vrai, je prends beaucoup trop de stats. Tu crois que je prends le 9,3% de létal? Ah, ça veut dire que je prends un 9% into un 9%? Ah, ce serait pas chouette. Sachant que la game d'avant, j'ai pris un 10% into un 20% into un 50%. Ça ferait quand même un enchaînement vraiment désagréable. Je ne me le souhaite pas. Bon. Il est vivant. Je suis vivant. Donc ça veut dire qu'il a gagné. Ah, ça c'est bien, c'est ce que je cherchais. Au sport, hein. Ça tue un truc, hein. De toute façon, c'est The Last Combat. Et il a 16. Il est incroyable ce dragon. Il a 16 réplications. Vous imaginez la folie du machin? Créa. Une copie de la grosse pour la last. C'est pas mieux de continuer à scale? Quoique, on rajoute un 2000 quand même. Vous pensez que c'est ok? Attends, 16 réplications, ça fait 16 x 3. Ça fait 40. Ouais. Je sais pas. Ah si, je pense. Quand même, on n'arrivera jamais à 2000. Hein. Non mais 2000 quand même. 2000 gold, le truc de fou.
Le sport, mais non, le taunt le sport, j'aime pas ça. Non, mais je crois que c'est bien de taunter lui. En vrai, il est pas plus moins gros que lui. Attends, mais lui, il était pas plus gros. Il y a tellement de chiffres. Ouais, il était un peu plus gros, lui, mais c'est pas très grave. Allez, le jeu. Le jeu, il est bloqué. Ah, 100%. Magnifique, hein. Ouais, ça prend le trade de ce gars, déjà. Et puis, c'est 100% quand même, mais... Même si c'était plus chaud, au moins on prend le trade du Titus. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Bon, pas là, mais... Au moins, il y a zéro trade. Ouais, les Uran, ils trade pas. Enfin, ils s'écrasent, en fait, dans les créas. Ce qui fait que... Bah, lui, finalement, il servait pas à grand-chose. Par contre, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Le triple Dvorak, il a 5 Dvorak sur le board. Avec ça, j'aime vraiment bien l'idée. Hein. En plus, ces gemmes, elles sont énormes, non ? 30-28. Alors, on va jusqu'au bout, on est sûr de gagner. Je pense. Hein. Oui. C'est beau quand même. Hein. J'aime vraiment bien cette compo. C'est difficile parce que faut arriver à mettre en place le setup, mais... Bon là on a eu un peu de réussite, on l'a trouvé tout de suite cet abo. Mais vous voyez, 0 catacombe. Premier catacombe trouvé, c'est tour d'avant, donc tour 15. Et on en a fait des découvertes. Hein, parce que là, dès le tour 6, on a commencé à, hop, à creuser dans l'état 25. Mais j'avoue qu'avec Karazhan, c'est incroyable. Hein. Ouais, moi je prends du plaisir. Ouais, c'est un son de sèche-linge quoi. Salut Zazoubi, ça va très bien et toi? Le gars est gros quand même. C'est quoi le setup pour qu'il gagne? Ouais, pas de setup. Hein. Il doit se dire, mais comment je fais avec un board comme ça? Deux boards de con, l'un en face de l'autre. Magnifique. Que 65, c'est un truc de malade. Hein. Mais bon. Ça monte petit à petit.